Son état de santé reste pour le moment préoccupant. Depuis quelques jours, Alicia, candidate de la dernière saison de l'émission Mariée au premier regard, fait face à des problèmes de santé liés au virus du Covid-19. Pour l'infirmière coordinatrice, des complications l'ont obligée à se faire hospitaliser en urgence. Mardi 11 octobre, la jeune femme s'était exprimée au sujet de son état de santé, « J'ai attrapé le Covid. Sauf qu'avec ma santé fragile, ce n'est pas facile. Je suis hospitalisée, car j'ai une pancréatite. J'ai déjà eu ça, j'ai le pancréas fragile », avait-elle expliqué. Assez régulièrement. Alicia donne de ses nouvelles sur son compte Instagram. C'était le cas samedi 15 octobre, lorsque la jeune femme, après plusieurs jours sans manger, a enfin pu avaler un morceau. « J'ai passé des examens hier, notamment une IRM qui montrait pourquoi je fais des pancréatites. Pourquoi j'ai des douleurs très violentes comme ça depuis 7 ans et demi », a-t-elle déclaré. Si la jeune femme affirmait se sentir mieux physiquement, elle avait donc pris la décision de demander de sortir de l'hôpital. Ce lundi 17 octobre, le verdict est tombé. Nouveau coup de massue pour Alicia, qui s'attendait déjà à retrouver son petit cocon. Mais aussi son compagnon, Bruno. En effet, le personnel de l'hôpital a pris la décision de ne pas la laisser sortir pour le moment. Selon ses dires, son état de santé se serait dégradé ce week-end, mon bilan d'hier s'est dégradé. Alors qu'il est censé s'améliorer. J'ai encore eu une prise de sang aujourd'hui. Et en fonction des résultats, je pourrais basculer sur le CHU de Nice, a-t-elle confié. Épuisée. Elle a notamment précisé, avec des termes médicaux, que certains de ses canaux étaient anormalement élargis, ces derniers aident au bon fonctionnement des voies biliaires dans notre corps. La jeune femme doit donc encore rester à l'hôpital pour le moment et faire des examens. Pour comprendre d'où vient réellement le problème, son époux, Bruno, a quant à lui écrit un message sur les réseaux. Suite à l'annonce de sa chère et tendre, ce n'est pas facile, on reste optimiste et on sait que l'avenir sera meilleur. Merci à tous pour vos messages. Désolé de ne pas trop être présent sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour nous préserver au maximum, peut-on lire. On lui souhaite un prompt rétablissement.